Bonjour à tous. Je suis Charlotte Nassé, originaire de la région du Centre-Sud. D'abord, je dis merci à Orange Burkina d'avoir donné l'opportunité à la gente féminine de pouvoir s'exprimer sur des projets qui leur tiennent à cœur. Dans ma région, il y a un fléau qui est en train de tuer la majeure partie de la jeunesse. Et moi, j'ai mal au cœur. Les boissons frelatées. En effet, les boissons frelatées sont une sorte de boisson dénaturée frauduleusement et dont la dose d'alcool qui s'y trouve dépasse celle maximale inscrite. À travers mon projet Lieu d'espoir pour les jeunes, je m'engage à faire de la lutte contre ces boissons frelatées un combat personnel et collectif parce que pour que j'y arrive, j'ai besoin de votre soutien. En quoi consiste le projet Lieu d'espoir pour les jeunes? Le projet est subdivisé en trois phases. D'abord, réaliser un film court-métrage basé sur des faits réels et avec des voix de spécialistes de santé qui expliquent en off comment ces boissons frelatées peuvent parvenir à détruire l'organisme humain. Ensuite, il s'agit d'utiliser ce film qui sera réalisé, projeté dans les différentes zones de la région pour sensibiliser les populations sur les dangers qui sont liés à ces alcools frelatés. Enfin, mettre en place un centre national d'écoute et d'assistance des jeunes qui sont en état de dépression pour cause ces boissons frelatées. Alors, chers tous, je sais compter sur votre bonne volonté pour les soutiens multiformes, parce que pour que ce projet voie le jour, il faudrait d'abord que je sois ambassadrice Orange Burkina 2022. Je vous remercie.